Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Pour ce tuto assez particulier les potos, je vous retrouve sur FL Studio Mobile pour vous apprendre à faire du rhythm dubstep. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le rhythm dubstep est un genre musical dubstep qui a été créé en 2013 et qui depuis voit sa popularité s'accroître, et je pense que le rhythm dubstep a un avenir assez prometteur puisque je pense que le rhythm dubstep va remplacer le dubstep classique qui devient à mon goût un peu démodé, et je pense que le rhythm dubstep ça va être la nouvelle mode dans les prochaines années pour le dubstep, la musique en tout cas dubstep. Voilà, après c'est mon point de vue, je pense que le dubstep classique devient un peu démodé et je pense que voilà, ce genre musical va être remplacé par un autre genre musical qui est autre que le rhythm dubstep. Voilà, donc dans ce tuto les potos, je vais vous apprendre à faire du rhythm dubstep sur FL Studio Mobile. Donc pour commencer, vous aurez besoin de mettre votre fréquence musicale à 140 bpm, ça c'est classique dans le rhythm dubstep. Ensuite, vous aurez les drums. Pour les drums typiques du rhythm dubstep, ce sont généralement le kick. Vous aurez aussi besoin du clap. Voilà. Et vous aurez besoin également d'un hi-hat. Voilà. Après pour le drop, vous pouvez mettre kick, clap, mais pas le hi-hat. Moi je ne mets pas en tout cas de hi-hat dans le drop. En tout cas, voilà. Voilà, donc pour commencer, vous allez faire un petit une petite séquence de drums comme ça. Voilà, avec un kick au début. Voilà. Ensuite, vous décalez 8 cases plus tôt, enfin 8 cases vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous mettez un autre kick. Voilà. Et là, vous mettez le clap. Ici, en dessous du kick. Ici, voilà. Et ensuite, vous aurez besoin d'un hi-hat. Donc pour le hi-hat, c'est voilà, c'est tout simple. Hein. Attendez, parce que là j'ai que cette case. Attendez, cette case B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'ai 8 cases. Ok, donc c'est bon. Et vous aurez donc besoin d'un hi-hat. Vous allez le mettre ici. Et puis vous allez mettre un autre hi-hat ici. Voilà. Pareil, 8 cases pour le hi-hat. Voilà. Et normalement, ça devrait coller. Donc, voilà. Vous élargissez votre drums jusqu'à ce que vous voulez. Hein, voilà. Pour le début, pour la mélodie. Par exemple. Voilà. Et on va voir si ça colle bien. Non, pas du tout. Là, il y a un petit problème. Attendez. Il y a un petit problème. Ah oui, mais le truc c'est que c'est pas assez. On va essayer 9 cases. Parce que visiblement, ça n'a pas l'air de. Ouais, ça c'est 9 cases. C'est 9 cases les poteaux. 9 cases. Et là, vous mettez un hi-hat ici. Voilà. C'est 9 cases d'écart. Hein, voilà. Alors, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, hein, pour le hi-hat. 1, 2, 3, 4, c'est plutôt ici pour le hi-hat. Voilà, donc on laisse le hi-hat ici et normalement ça devrait coller. On va voir tout ça. Voilà, ok. Donc, vous voyez, ça colle très bien. Et puis ensuite, vous élargissez votre séquence de drums jusqu'à ce que vous voulez, jusqu'au drop, enfin, pré-drop, on va appeler ça comme ça.
Voilà. Et on va réécouter, voir si ça recolle bien. Nickel. Nickel. Donc maintenant que vous avez votre drums, vous allez maintenant prendre le GMS. Voilà, GMS3. Et vous allez cliquer ici. Voilà, donc pour faire la basse hein, de Rhythm Dubstep, bah vous aurez besoin de GM Synth, vous aurez aussi besoin de FX Graphic EQ, vous aurez besoin de compresseur, FX Compressor, FX Chorus, vous aurez besoin aussi de distorsion, FX, reverb, flanger, equalizer, et puis vous aurez aussi besoin de filter. Pour equalizer, il n'est pas dans la liste voilà, des FX. Donc vous avez FX Autoduc, leveler, compresseur, limiteur, distorsion, vous n'avez pas equalizer. Donc comment faire pour l'avoir? Bah, c'est tout simple, vous allez dans les drums, vous faites un copier, hop, copie de FX Equalizer et vous le faites ensuite, bah, voilà. Vous faites ensuite. Bah, coller. Dans le voilà dans le GMS. Voilà. Et on va l'enlever parce qu'on l'a déjà. Voilà. Ok. Alors normalement tout le monde là. Tout le monde là dans les drums, le FX Equalizer, donc voilà. Très bien. Donc pour faire la basse du Rhythm Dubstep, pour faire la basse, vous aurez donc besoin de tous ces éléments. Vous aurez besoin aussi de mettre, voilà, de mettre pour le GM Synth Filter, vous aurez besoin de mettre le cutoff à fond, ensuite le RS, RS vous mettez à plat, donc c'est-à-dire que je veux dire tout en bas, vous, voilà, je sais pas comment dire, vous le baissez à fond, voilà, on va dire. Pour l'attaque, c'est pareil, vous le baissez à fond. Pour le decay, c'est pas, enfin, non, c'est pas pareil. Pour le decay, vous le mettez à fond. Pour la mount, vous ne touchez pas. Pour KBD, vous ne touchez pas non plus. King, LP12 non plus. Voilà. Pour l'OSC, vous aurez besoin de mettre bah, le A en silk. Voilà. Vous aurez d'habitude, je pense, si je ne me trompe pas, vous aurez le sign et vous mettrez silk. Voilà, vous mettrez silk, vous remplacerez sign par silk et vous laissez best. Hein, normalement, best, ça y est automatiquement. Pour le pitch B, vous ne touchez pas, vous laissez à 0 et pour le fine B, vous le mettez à 9, 9.0. Pour la phase B, vous ne touchez pas, hein, pareil pour balance et noise. Voilà. Pour le mode, bah pour le mode AMNT, bah vous mettez à peu près comme celle-là. Pour le kind, bah pour le kind, voilà, pour le kind, vous mettez FM. Voilà. Pour le truc attaque, vous ne touchez pas. Enfin, voilà pour l'attaque, vous ne touchez pas. Decay, vous mettez à fond. Le GA mount, vous ne touchez pas. Voilà. Et normalement, MW dest, vous ne touchez pas. Pareil pour PB Ranger et pour PB Range, pardon. Et pour le MW Amount, vous le mettez à fond. Voilà. Pour le level, vous le mettez à 0,8 dB, donc décibels. Pour le pan, vous ne touchez pas. Pour l'ATK, on va y arriver, qui signifie attaque, vous le mettez un peu bas, mais enfin voilà. Vous le mettez comme ça, enfin voilà, hein, vous le mettez comme ça. Pour le deck, bah, pareil, vous le mettez à fond. Enfin, vous le mettez à fond pour deck. Pareil pour le SUS. Et pour le REL, vous mettez pareil que l'ATK. Voilà. Pour le G, la mount, vous n'y touchez pas. L'attaque, vous le baissez un petit peu. Pour le decay, vous mettez à fond. Sustain, pareil. Relays, pareil. Et VEL, vous ne touchez pas à ça. Vous n'y touchez pas. Voilà. Vous le laissez éteint. Pour dest filter, voilà, vous mettez le filter. Voilà. Pour le LFO, vous ne touchez pas. Voilà, vous ne touchez pas à tout. Voilà. Pour le voices, pareil, vous n'y touchez pas, sauf à quartet. Enfin, vous mettez voices à quartet et vous mettez scale à octave. Voilà. Pour le FX, vous
Vous allez augmenter un petit peu le y, mais vous ne touchez pas au x et vous ne touchez à rien après. Pour le fixe graphique E cube, ben voilà, je vous laisse 10 secondes pour voir voilà, comment faire. Voilà. Pour le fixe compresseur, vous le mettez à moins 19,4 décibels pour le thrash. Le ratio, vous le mettez à 2 à 1. Pour l'attaque, vous le mettez à 18 millisecondes. Pour le hold, vous le laissez à 0 millisecondes. Pour le release, vous le laissez à 186,4 millisecondes. Et pour le level, vous le laissez à 0,0 décibels. Voilà. Pour le fixe chorus maintenant, bah pour le fixe chorus, vous n'y touchez pas. Voilà, en tout 40, rate 60 depth, stéréo 100, mix 60, voilà, vous n'y touchez pas. Pour le FX distorsion, vous serez probablement sur le truc hard, donc vous vous mettez sur soft et vous touchez un peu à blast, vous l'augmentez un tout petit peu, un tout petit peu, hein. Pour le gain, bah, pour le gain, vous allez mettre à moins 4,4 décibels. Pour le drive, vous le mettez à 40. Et le stéréo, vous n'y touchez pas. Pareil pour Beat Crush. Voilà. Pour le FX Reverb, vous n'y touchez pas. À moins que, à moins que, à moins que. Pour le mix, vous le mettez à 34. Voilà, High Damp 80, Decay 40, pardon. Pour le FX Plunger, vous ne touchez pas au LFO Speed. Enfin, ça vous mettra 55 au début, mais vous descendrez à fond jusqu'à 0. Pour le LFO Amount, bah pareil, hein, pareil, vous le mettez à la moitié. Pour le FDBK, vous le mettez un tout petit peu plus haut. Pour la pour le Frequency, vous le mettez Pour le SDR Phase, bah, vous le laissez en bas, vous le baissez à fond. Pour le Mix, vous le baissez un tout petit peu. Et voilà. Vous activez un mix et un FDBK. Voilà. Et vous laissez 5 fermés. Enfin voilà. Éteint. Pour le LFO Shape, ça vous mettra très certainement Sine. Donc vous mettrez SQR. Voilà. Le FX Equalizer. Donc pour le FX Equalizer, vous aurez donc le gain avec. Vous le mettrez à moins 0,5 décibels. Pour la fréquence, vous le mettez à 115,4 Hz. Pour le bandwidth, bah, vous le mettez à 50. Vous laissez channel en mono et puis vous le mettez sur peak également. Pour enfin le FX filter, vous mettez sur low pass. Vous vous mettez sur low pass. Vous le laissez à 48 décibels par octave et vous mettez la fréquence à 20 171,1 Hz et vous laissez résonance à 0. Voilà. Donc la fréquence, vous le mettez à fond. Voilà, c'est à fond. Voilà. Très bien. Et maintenant que vous avez tout ça, on a maintenant la basse du rythme dubstep. Alors, vous avez différentes notes. Voilà. Mais pour faire le rythme dubstep, vous allez plus dans le 10. Par exemple, hop, on va faire un petit drop, on va faire un petit hop, ça comme ça. Ça comme ça, voilà. Tac, juste, hop, voilà, faire ça comme ça, hop. Et là, pareil, hein, vous élargissez votre basse jusqu'à 50. Voilà. Et puis on va maintenant voir ce que ça donne avec bah, avec le drum. Bon, ben, c'est parti les potos. Voilà, donc là ça c'est la basse du rhythm dubstep. Et puis ensuite, vous avez aussi les automations. Alors, les automations, c'est quoi? Ben, ça va vous permettre justement de modifier un peu votre basse. Par exemple, avec le FX level, enfin le level GM Synth, ben, par exemple, regardez ce que vous pouvez faire. Alors, pour le level Synth,
intéressante. Hop. Voilà, vous allez mettre par exemple 0, voilà, 0, 0, 0, jusqu'à ici. Voilà. Et vous le mettez à peu près jusque. Jusqu'ici. Voilà. Et vous le descendez ici. Alors ça va vous permettre hein, de faire. Bien vérifier que ce soit les endroits. Voilà, c'est bien. Et puis voilà. Puis ça, vous l'élargissez aussi, pareil. Donc pour faire une automation, vous n'avez pas, je vais vous expliquer dans quelques instants. Et voilà ce que ça donne avec le level. Voilà, avec ça, avec l'automation. Voilà. Vous avez aussi la fréquence, donc la fréquence de FX filter, donc là pareil, vous faites voilà, ce que vous voulez. Et puis ça, on va le mettre à 50, donc ça va vous permettre hein, justement de modifier la fréquence de votre basse. La fréquence, c'est-à-dire le son hein, de votre basse, que le son que vous donnez au départ sera basse, mais ensuite et eh bien en faisant une courbe ou une diagonale, le son va petit à petit devenir plus fort. Vous l'entendrez de toute façon dans la suite de la vidéo. Donc là hein, vous mettez votre fréquence je sais pas jusqu'à là et soyons fous, et voilà ce que ça donne. Et donc voilà ce que ça donne avec la fréquence. Donc voilà, donc pour faire une automation, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le GMS et si vous voulez par exemple changer la fréquence de votre basse, vous cliquez hop sur Frequency et vous faites, vous allez ici sur la petite flèche qui indique la flèche vers le nord-ouest. Voilà quoi. Et vous allez sur CTRL et vous faites Add Automation Track et vous aurez ensuite la fréquence. Donc voilà. Voilà, l'automation qui est ici. Bien. On en a terminé avec la basse. Donc maintenant, pour la suite hein, de votre mélodie, par exemple, vous pouvez ajouter des SFX. Donc pour moi, hein, j'ajoute des SFX avec Minisynth, pas Minisynth, mais je vais faire Direct Wave, je crois que c'est ça. Je ne suis point sûr. Attendez. Hop, Delete, ça pareil. Delete. Oui, c'est avec Direct Wave. Voilà, Direct Wave. Donc, vous pouvez ajouter des SFX pour votre mélodie par exemple. On va prendre par exemple le Scratch. Et on va faire une mélodie genre comme ça, hop, voilà, et on peut faire comme ça aussi. Et vous pouvez aussi élargir votre votre SFX comme ça. Sauf que là c'est nul. Sauf que ça c'est nul. Attendez. Mince. On va enlever tout ça. Et on va laisser voilà, on va laisser comme ça. Très bien. Et maintenant on va voir ce que ça donne. Là c'est trop rapproché, on va hop genre faire comme ça et voilà, hop.
Voilà. Donc ça peut être un truc pour votre mélodie, votre je veux dire votre intro. Voilà, c'est. Bref. Voilà, bah écoutez les potos, ce tuto va toucher à sa fin. J'espère que ça vous aura plu les potos. Et puis on va se laisser ici avec le petit drop. Enfin le petit drop qui est. Voilà. Oui. On va juste, hop, faire un petit truc. Voilà. On va le mettre à genre la moitié, c'est-à-dire ici. Quoi que c'est ici, voilà. Et en vérifiant, alors on va faire ça, okay. Ensuite, hop. Donc là c'est quelque chose que je prends, voilà. Alors, on va monter, on va monter, on va monter. Voilà, on va mettre ça comme ça. Bon, après, ce drop ne sera pas non plus terrible. Hein. Voilà. Voilà, c'est parti, les potos. Je vous laisse ici. J'ai juste enlevé les hi-hats parce que c'est un drop. Du coup, on n'a pas besoin de mettre les hi-hats. Et voilà. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple faire ça comme ça, voilà. Ainsi. Ça par exemple. Voilà, par exemple comme ça. Et ensuite, vous pouvez remettre, hop, votre Non mais, voilà, vous pouvez remettre, hop, voilà, ça comme ça. Vous pouvez élargir aussi votre. Voilà, et maintenant, voyons ce que ça donne. Totalement nul là ce que je viens de faire, mais bon, c'est voilà, c'est un petit voilà, voilà, tuto que je vous montrerai de toute façon, c'est pas bien important, c'est pas une musique officielle, voilà. Bon bah écoutez les potos, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, pour ce tuto. J'espère que les potos, cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, quant à moi, je vous retrouve demain pour de prochaines vidéos. Je veux dire plutôt ou tout à l'heure. À tout à l'heure pour de prochaines vidéos. Thank you.